Retrouvez Fabien en immersion totale. Ok, et les ballons. Bah, je vais devoir déplacer les ballons. Faut pas être très rare. Voilà. Je regarde ça, oui, c'est moi pour me passer le matériel. Ouais, on va le décaler un petit peu, hein, le temps que je rentre tout le matériel. Sono est installé. Bon, alors on est en train d'installer le son à l'extérieur, évidemment. C'est la première chose à faire dès qu'on arrive. Je sors tout de mon véhicule justement pour pouvoir avoir du son à l'extérieur, puisque le vin d'honneur se passe ici même. Donc le temps n'est pas très avec nous. Espérons que ça dure et qu'il ne pleuve pas. Donc petit coin nature ici. Avec évidemment l'enceinte ici, on va relier la deuxième avec, et comme ça ils auront de la musique tout près pour le vin d'honneur. C'est la première chose que je fais, c'est de descendre les petites enceintes là, bien sympathiques, et c'est largement suffisant pour animer, mettre de la musique ici pour la fête, évidemment. Je suis un petit peu essoufflé encore une fois parce que je me dépêche toujours. Je prends mon temps après pour installer le matériel dans la salle. Puisque la salle, évidemment, ne sera pas ouverte à tous. Donc on va essayer de rapprocher les enceintes pour mettre un peu plus de son. Eh bien les amis, ça y est, la Sono s'installe, donc ça fait plaisir, la musique déjà est dehors, les invités sont déjà arrivés, 16h30, on m'avait dit 17h30, mais heureusement que je viens plus tôt pour installer la musique à l'extérieur. Donc on continue encore à installer les lumières, pendant que les gens sont en vin d'honneur à l'extérieur en train de boire un coup, et puis de profiter de la musique qui passe en fond musical, comme ça, la musique d'ambiance, eh bien là, je profite d'installer toute la Sono en fait. Il faut s'organiser comme ça, vous êtes tout seul dans la salle, personne ne rentre. Donc c'est l'occasion rêvée de s'organiser. On va jeter un petit coup d'œil si les invités sont là. Ils sont bien scotchés tout seul. On va pas pouvoir voir ici. On va faire une visite de la salle après. Instant, on installe le matériel. On ira voir tout à l'heure aussi si les invités sont là. Ouais. Bon, ça fait plaisir. C'est surtout pour le bien des mariés. Hein. Oui, voilà, là, au moins comme ça. C'est une nuit de sommeil en moins. Ouais, mais ça, hein, c'est. Ça fait partie c'est une passion. Hein.
la musique, ça pétouille. Donc on a installé ici les deux petites enceintes. Alors on a, évidemment, on a toujours un ou deux kilomètres de rallonge. Les petites enceintes sont dans le buisson là-bas, si vous les voyez, tant mieux. Voilà, un petit zoom. Et les invités sont ici, à l'extérieur. Ils viennent juste d'arriver seulement. Et on va les rejoindre pour pouvoir, eh bien, voir un coup et festoyer ensemble. Alors voici le domaine. C'est un gîte qui est très demandé apparemment dans la région. C'est très demandé, c'est très grand. Il y a aussi des mobilhomes aussi. La dernière fois qu'on avait fait une vidéo, enfin ça remonte à plusieurs années déjà, il y a des mobilhomes. Donc là il y a un camping-car, mais derrière, regardez, il y a des mobilhomes pour eh bien, passer la nuit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, allez voir. On va prendre, on va essayer de prendre en photo la voiture balai. Et puis on va voir les invités. Bonjour. Bonjour. Félicitations à tous les deux. Hein. Félicitations. Merci. Et puis ben voilà, ça y est, installé dans la salle, prêt à faire la fête. Voilà. Avec les petites lumières aussi, sympa. Quoi. D'accord. Donc voilà. Voilà. Vous ferez votre entrée en salle sur la musique qu'on a vue ensemble. C'est ça. Avec Ice Bees. Voilà. Après le 22h. Après le 22h. Ah oui, bien sûr, mais quand vous serez OK. Ouais, c'est vrai. Hein. On a peur de la piste. Quand ce sera OK, vous me faites signe et puis on rentre les gens. Nos témoins qui vont faire signe le plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être moi que vous avez dû avoir au téléphone. C'est ça, sûrement, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. OK, bon, bah, c'est très bien. C'est comment le prénom ? Steven. Steven, moi, c'est Fabien. OK. Oui, c'est moi. On est les deuxièmes. Aussi. Ah, aussi, oui. Tout le monde nous a contactés au final. Bah, pour quelle raison, je ne sais pas. Bah non, dis-moi. Alors ça, voilà, c'était pour me connaître. Mais Steve, on a prévu un autre mariage en sorte bientôt, donc. Ah, très bien, ok. Bah, vous, voilà, c'est ça en fait, c'est pour ça. Pas mal d'invités ce soir. Si vous avez des choses à faire pendant la soirée, si vous voulez animer des jeux, faites en sorte de le faire entre les plats. Voilà, lorsque c'est débarrassé, quand vous voyez que les gens ont terminé leur assiette tranquillement, la majorité des gens finissent leur assiette, à ce moment-là, vous lancez un jeu, une danse, une petite série de danse d'ambiance, ou tout simplement une vidéo qui a été demandée de la part des témoins ou des filles d'honneur, évidemment. Il y a toujours quelque chose de prévu, des surprises pour les mariés. Et il y aura deux vidéos, voilà, c'est ça, deux vidéos. Ça va se faire tranquillement, évidemment, on est là pour ça. Il y a toujours des idées originales, hein. Ouais. J'ai entendu. On va demander quelque chose. Hein. Parce que. Il y a la phase de matriculation, je peux demander des sous. Je la floute. Je la floute. Donc voilà. Non, c'est sympa. C'est qui avait ça? Bah, c'est... D'accord. Ah, c'est super. Ouais, pas mal, pas mal. Si, j'ai porté la barre. Ça manquait de pêche. Faut pas rouler sur l'autoroute, mais bon, ça va. Ouais. Ah, mais, on va sur l'autoroute, 70, on va le faire. Ah, c'est cool. C'est sous la pluie que se passe très bien ce vin d'honneur. Regardez, ils sont tous à l'abri. Et nous, on va se rendre à la salle, ouais, histoire de se réchauffer un petit peu, parce qu'il fait quand même un petit peu frisquette pour ce samedi. Et voilà, j'ai rapproché un petit peu les enceintes, on débranchera tout à l'heure quand on rentrera dans la salle. Donc les invités rentreront évidemment, et nous, ensuite, on lancera la musique pour les mariés, pour leur entrée en salle. Donc comme je dis toujours, ce qui est bien, c'est qu'on fait toujours de très très belles connaissances. Donc je parle beaucoup avec le photographe, donc qui a fait pas mal de choses de son côté, et on a quelques petits points communs. C'est surtout vis-à-vis des cosplays et manifestations, tout ce qui est événements japonais. On a beaucoup discuté de choses et
pas mal de trucs qu'on va voir ensemble. On s'est abonné chacun de notre côté à nos réseaux sociaux, donc pour avoir toujours contact. Alors, rappelez-vous, à l'époque, il y a quelques années, je parlais ici, derrière ce buisson, cet arbuste, pour vous commenter le déroulement, le début de soirée. Et voilà, encore une fois, je fais la même chose, voilà, pour, je ne sais plus, la 3e ou 4e vidéo. Salut les petits amis, rendez-vous pour un nouveau mariage dans le 72, encore une fois. Et bien là, j'ai installé le matériel, donc je vais vous montrer un petit peu l'installation. Hein, donc on va voir ça ensemble, je vous fais une petite visite. Allez, et puis on passera la soirée ensemble, évidemment. Bien, salut à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo, encore une fois, assez sympa. Vous vous demandez peut-être où je me trouve exactement. Nous sommes en pleine campagne. Regardez, c'est très calme, hein. Il n'y a rien autour de nous. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons animer un mariage aujourd'hui. Et voilà, je parle toujours ici, derrière l'entrée, non pas principale, mais l'entrée des stars. Hein. La star 2, hein. Elle est là, la porte. Voilà, on est les seuls à rentrer à l'intérieur. Et évidemment, voilà, il y a aussi une allée. Voilà, avec le photographe qui discute là-bas. Au calme. Regardez, c'est magnifique. Non, c'est pas un souci, hein. Ouais. Voilà. La déco est belle. Et voilà, c'est déjà la découverte de la salle. Les invités rentrent. Dire à peu près l'heure qu'il est, il est 19h15 et les invités découvrent la salle, magnifique salle. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien? Oui. Êtes-vous prêts à faire la fête ce soir? Oui. J'ai une petite question quand même, vous savez pourquoi vous êtes là ou pas? Oui. Ouais, c'est bon, vous arrivez à suivre. Donc on va vous demander de vous installer à table, s'il vous plaît. Installez-vous. Et nous allons accueillir eh bien, nos mariés comme il se doit, comme le roi et le règne. On va les accueillir dans un instant. Donc je profite pour vous dire que moi je suis Fabien, l'animateur. Bonsoir Fabien, voilà, ça va ça. Merci. Et ce soir, il y aura des surprises, bien sûr, ils ne sont pas au courant. Pas du tout, ils ne vont pas savoir ce qui se passe ce soir. Et il y aura des jeux, de l'animation, de la danse pour tout le monde. Et tout ça dans la gaieté, dans la joie et la festivité. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On va accueillir les mariés dans un instant. On les attend un petit peu. Alors nous attendons cette fois-ci nos mariés qui vont me rejoindre ici sur la piste de danse. On peut les applaudir et on les encourage. Yeah.
Alors, nous allons jouer à un jeu, les amis. Vous savez déjà ? Alors, attendez là, attendez avant de vous asseoir. Relevez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous face au public. Alors, je vais... Voilà. Applaudissements. Et je demande toute votre attention. Il va nous faire un petit discours. Tout petit, hein. Tout petit. Et après, on fait le jeu. Ouais. Alors, allez-y. Je vous laisse le micro. Merci à vous et merci à eux de nous avoir invités, on est d'accord. Et nous allons jouer ensemble. Très bien. Alors. Avec les enfants. D'accord. Ah oui, c'est super. C'est encore mieux. Voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est que les enfants jouent aussi. Il y a maman, papa, voilà. Tu sais, tu as compris la règle du jeu, j'espère que tu t'es entraîné à la maison. Si, quelle est la question ? Toi, tu t'es entraîné ? À part manger les hamburgers. Hein ? Tout à l'heure, les burgers, c'était lui, hein, dehors. Hein, qui avait dans... Et il en a encore dans sa poche. Ah, c'était lui, hein. Ouais, je rigole, hein, t'inquiète, c'est pas vrai. Hein. C'est du faux. Alors, c'est maman et là, papa. T'as compris la règle, on t'a expliqué à la maison tout, c'est bien. On va poser des questions. Le repas, c'est maintenant pour l'avion. On en fait une ? Allez. Mec, en dernier, là. Regarde-moi ça, la bande de gros sales. En dernier, toi ? Allez, vas-y. Dernier. Allez, c'est pareil que moi, je vais finir. Comment t'as dit ? C'est les 10 heures. Moi je dirais quoi? Moi je dirais on fait une immersion. Eh bien, mesdames, messieurs, ça va toujours, vous allez bien ? Ouais ! Toujours des ouais, ça veut dire qu'ils sont encore là. À moitié là, c'est ça ? Ça va repartir tout à l'heure. Alors, nous allons faire le dernier jeu de la soirée. Celui-là est exceptionnel puisque c'est la mariée qui va jouer avec nous. On va jouer à la jarretière. Non, peut-être pas non plus. Non, non. Il y a des enfants. C'était la lentille.
cette fois-ci, c'est le moment que tout le monde attend. Nous allons commencer avec l'ouverture de bal des mariés. On peut les applaudir pour faire cette ouverture.